Hey yo, tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur OP Battle Navale pour voir sur une de post retouches OP Shop, le nouveau monde Bounty Pirate. Pourquoi? Parce qu'un event farmable est arrivé sur le jeu. C'est le retour des poissons clowns. À chaque fois, je fais l'annonce. C'est sorti, bon, hier, mais bon, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Du coup, je l'ai faite pour aujourd'hui. Quoi, tout simplement, un event farmable. Du coup, les poissons clowns qui est de retour, qui est déjà venu sur notre serveur, c'est sûr. Du coup, les poissons clowns ne sont disponibles que dans le but d'histoire principale. Du coup, c'est des choses, des poissons qu'on ne drop que ici, en fait, dans le coffre AFK et dans les défis rapides. Coffre AFK, là, vous voyez, j'avais 5 heures, presque 6 heures. Du coup, j'ai 17 poissons clowns. T'en as un toutes les 20 minutes. Un toutes les 20 minutes. Dans les défis rapides, t'en as un aussi toutes les 20 minutes de défis rapides. Du coup, voilà, event poisson clown. On peut avoir quoi dans cet event? L'Opéi de Oie. C'est pas mal, des fragments de l'Opéi de Oie. Du coup, un l'Opéi de Oie entier. Des fragments 5 étoiles. Cristal. Un cristal, du coup, des tickets avancés, pardon. Une pièce de roue avancée, du bois, etc. Des choses sympatoches et en vrai tout ça gratuitement. Du coup c'est intéressant. Moi personnellement à chaque fois je prends le champion plus le fragment, quoi qu'il se passe, peu importe le champion en fait je le prends. Et après je prends du coup cristal, ticket de recrutement avancé et ça dépend combien il me reste. Mais voilà, je prends souvent ces 4 là quoi. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez acheter. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, vous pouvez acheter même du bois. Ou des pierres d'avancement, ça peut être intéressant aussi pour vous. Après 250, c'est pas... Après c'est pas cher. C'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez. Du coup voilà, après vous pouvez les stacker pour la prochaine fois vu que c'est un event qui vient. Du coup si par exemple là il m'en reste 88 à la fin et que je les utilise pas quand l'event revient, du coup il m'en restera 88. Du coup vous pouvez les stacker, vous pouvez même les vendre si ça ne vous intéresse pas. Après c'est gratuit, c'est bête. Vous pouvez les vendre contre des berries, mais bon, c'est plus worth d'acheter ici avec les berries. Et voilà, c'est vous qui voyez, faites ce que vous voulez, c'est gratuit en tout cas. Event farmable des poissons clowns qui est de retour. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.